Avec cette saison 5, les amis, nous avons une multitude de boss à notre disposition. Et aujourd'hui, je vais se faire affronter le boss Maeve contre le boss Gladiateur, le boss La Menace. Si ça vous plaît, les amis, je vous invite à me soutenir dans la boutique de Fortnite en rentrant le code GUGU, G-U-G-U, un des codes les plus simples au monde. Je vous invite également à liker cette vidéo si elle vous plaît, à vous abonner, à mettre la cloche, ainsi qu'à me suivre sur les réseaux suivants, Instagram, Twitter et TikTok. Avant que la vidéo commence, les amis, je vous invite à aller checker mon dernier clip, il est en premier lien dans la description, les gars. Vous avez fait monter le dernier clip à plus de 550 000 vues, les gars. Et on est bientôt à 40 000 abonnés sur ma chaîne musique. Donc abonnez-vous, c'est incroyable ce qui se passe, les gars. Vous êtes vraiment des malades, mais je sais qu'on peut faire mieux. Donc je vous invite à cliquer sur les liens en description. Merci de m'avoir écouté, je vous laisse avec la vidéo. Ok, les amis, c'est parti. Allons retrouver le boss Maeve, les gars. Le boss Maeve, normalement, il doit se situer par ici. Voilà, à un endroit comme ça, juste par là, les gars. On va devoir aller la chercher, la recruter pour lui faire confronter le boss Gladiateur, tout simplement, qui se retrouve au Coliseum. Donc on a du chemin. C'est parti, plus vite on y va, plus vite on aura terminé cette quête, les amis. La quête de l'affrontement des boss. Normalement, si mes indications sont bonnes, elle se trouve juste là-bas, chez elle. Elle est posée un petit peu excentrée de la map. Elle vit là-bas, elle fait sa petite vie. Mais on va aujourd'hui perturber sa life carrément, parce qu'on va l'emmener faire combattre un gladiateur. Voilà. Donc c'est bizarre un peu dit comme ça, genre. En gros, c'est clairement un kidnapping. C'est un kidnapping totalement. Mais imaginez, les gars, on vient chez vous comme ça, dans votre domicile. On vous demande pas la permission, on vous dit: toi aujourd'hui, tu vas venir avec nous et tu vas battre un gladiateur. Bah, effectivement, vous êtes perplexe quand on vous dit ça, en général. Ou alors c'est votre quotidien, et votre quotidien est très étrange. En attendant, les gars, ça change rien au fait que nous allons la recruter. Je crois que ça va me coûter des lingots d'or, tout ça. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est juste là. Elle est juste là. Allons lui dire bonjour, elle marche. Vous voyez, elle fait sa petite vie, les gars. Elle va faire sa petite prière devant son hôtel, là. Attends, son hôtel qui est un peu stylé. Attendez, j'ai envie de voir. Ok, donc toi, tu pries des aigles, des serpents et... Et Bowser, visiblement. Non, c'est un requin, ok. C'est vrai qu'on dirait Bowser. Ok, donc en plus, on a la zone pile poil sur le Coliseum, les amis. Donc, je vais te parler. Ah, je vous attendais, comme dit. Bah, tu m'attendais. Bah, tiens, tu vas pas être déçu. Tu vas pas être déçu, tu vas venir avec nous. Allez, tu nous suis maintenant. Tu nous suis, ma petite. On va t'emmener combattre. On va t'emmener combattre le boss gladiateur, ma grande. Allez, suis-nous. Oh, elle a un sniper, les gars. Elle a un sniper. Ça veut dire il va falloir qu'elle tue le gladiateur avec un sniper. Ouhouhou. Ça va pas être si simple, toi, dis donc. Tu vas galérer, ma grande. Allez, suis-moi. On y va. On t'emmène. T'as regardé la route qu'on a à faire, les gars, on va passer par Retail Row, je pense. Oh, les gars, on part à la montagne, on part en randonnée. Ça va, elle a pas l'air de galérer tout autant que ça, ça va. C'est parti, on va prendre du bulle au cas où on aurait besoin, les gars. Parce qu'en premier, les gars, Gladiateur va nous attaquer, nous, en fait. Mais après, elle sera là pour nous défendre et ça fera un affrontement de boss comme à l'ancienne, comme on se souvient, comme on aimait bien. Parce que là, c'est vraiment, c'est pas des vrais boss, c'est des faux boss, les gars. Mais ils ont quand même pas mal de shield, je crois, plus de shield que nous. Donc ça reste des boss, mais c'est pas des vrais boss, les gars. Ils ont pas de coffre-fort ni rien. Même le boss Mandalorian, il a pas de coffre-fort et je suis assez déçu. Ça aurait été stylé. Un coffre-fort dans son vaisseau, quoi. Ça aurait été classe, mais Fortnite n'a pas fait ça. On passe par les petites routes de campagne. Tranquillement. Moi, je pense que c'est plutôt asthmatique. Ah, ok. Peut-être. Oh, regarde, elle court. Elle va faire une pause. Elle va courir. Voilà, là, elle a l'air plus déter que nous deux, carrément. Petite pause. Allez, l'asthmatique, viens. Elle sait juste pas courir, en fait. Allez, viens. Ouais, c'est juste ça, elle a pas l'habitude. Hein. On la comprend. Elle était tranquille dans son coin et on lui demande d'aller faire de la randonnée en montagne. On va passer par Retail tranquillement. Là, normalement, il y a plus de montagne. On devrait être bien. C'est dommage quand même que ce soit pas comme pas dans... en voiture. Bah c'est ça. C'est dommage que ce soit pas comme dans GTA où les PNJ ils montaient dans nos voitures, quoi. Ouais, ça serait pratique, hein. À mort, carrément. En vrai, on a le temps, la zone est même pas encore partie, les gars. On a le temps. On a le temps, on traverse Retail tranquillement. En plus, il n'y a même pas de joueurs parce que je nous ai mis en partie personnalisée, les gars. Donc, en théorie, voilà, ça devrait être tranquille. Il y a place nette pour les deux boss. Ils vont être bien tranquillement pour faire leur affrontement légendaire. T'es que j'avais même pas capté qu'on était en partie perso. Bah ouais, moi j'étais en train de me stush, builder et tout. Bah ouais, je vois ça. Parce qu'en soi, ça serait pas, voilà, ça serait pas très compliqué, tu vois. Mais il y a beaucoup trop d'enjeux. Genre, ça se trouve, il y en a, ils sont en train de tuer le gladiateur de l'autre côté. D'autres, ils pourraient tuer notre petite recrue là. Allez, viens, en parlant d'elle, et galère. Allez, suis-nous, mais tu peux pas faire une ligne droite. Elle est en train de casser des grillages, mais viens. Allez, viens. Mais elle est à la traîne. Elle est à la traîne de ouf. Hein. Elle a peur. Elle veut pas aller combattre le gladiateur. Je crois qu'elle allait monter dans le. Mais elle casse la voiture, quoi. C'est un signe. C'est un signe pour me dire que tu montes avec moi, c'est ça. On peut même pas monter dans. Mais fais demi-tour, mais viens là. Elle a vu quelqu'un, elle avait un écureuil, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas ce qu'elle fait. Imaginez, les gars, attends, parce qu'en vrai, je parle, mais j'ai pas essayé. Est-ce qu'elle monte avec nous? Non, elle rentre chez des inconnus. Monte! Oh, j'ai cru qu'elle allait monter aussi. Bon, c'est pas grave, allez, viens. Là, on est en train de la perturber, la pauvre. Allez, viens avec nous. C'est bon, elle vient. Ok, c'est parfait. Direction le Coliseum! Le colossal Coliseum! Souvenez-vous, les amis, maintenant, c'est plus le Coliseum de Gladiateur, c'est le Coliseum de Kratos. Elle prend l'eau ou pas?
Je sais pas, frère, c'est pas un Samsung, c'est une meuf. Non, mais genre elle nage. Bah, je pense qu'elle nage, ouais, les boss nagent. Elle est résistante. Elle pourrait être plus vite une fois là-bas, là. Mais elle nage pas, elle nage pas comme nous. Ah, elle marche. Eh bah, elle bloblote, quoi. Elle bloblote dans la flotte. Là, ça va être une épreuve pour qu'elle traverse. Ah, mais non, elle est mi-dauphin, je crois, en plus. Bon, bah, écoute, on va essayer. Allez, bah, suis-nous, madame la dauphin. Suis-nous dans l'eau. Viens avec nous. Oh, elle prend la flotte, allez, prends la flotte. Oui, c'est bon, elle nous suit. Ah bah voilà, bah c'est tout de suite plus rapide. Mais voilà, la bonne idée de Freefoux, c'est génial. Hop, petit poisson. Au passage. Oh, c'est un poisson frais. Oh bah, let's go. Attends. Elle prend pas la vaille par hasard. Ah mais je sais pas où. Ah mais attends, imagine. Oh, mon gars. Attends, c'est un poisson faille que j'ai là. Ah ouais, c'est un poisson faille. Attends, peut-être. Ah mais prends l'eau, pourquoi tu cours? Genre, on se met la faille avec elle, tu vois, et elle nous suivra. Donc. Bah, ouais, j'espère. Et là, ça la suicide, genre. Prends la faille à 3. C'est parti. Attends. C'est bon, allez. Allez, on y va. Est-ce qu'elle nous suit jusqu'au Colisée? Attends, je me dis, est-ce qu'elle a un planeur? Ah. Elle fait du surplace? Elle est où? Bah, elle est dans l'eau. Ah, elle est retombée, mais non. Mais elle a activé son planeur trop bas. En fait, elle a pas de planeur. Mais elle est complètement folle. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, bah, suis-nous quand même, hein, madame. Allez, le Coliseum, il est juste là-bas. Oh, il faut qu'on tue le Mandalorian parce qu'il va vouloir se battre avec lui. Il est sur le vaisseau là. Ouais, il est par là, il est dans le coin. Mais il est très fort, je te préviens. Putain, pourquoi elle va vite là? J'ai un bouga, t'inquiète. Oh, il est juste là-bas. Je te préviens, il est très fort, hein. Mais faut pas qu'il la tue, elle. Faut pas qu'il la tue, elle. Bah, ouais, c'est pour ça. Oh là, bon, il est sur moi pour l'instant. Je lui balance des grenades. Allez, tire-lui dessus, Maev, tire-lui dessus. T'as un sniper, faut qu'il te serve. Allez, mets-toi en mode combat. Bon, ok, bon, c'est pas grave. Allez, viens. Allez, vite, il faut qu'on parte. Oh putain, la zone arrive dans pas longtemps, les gars. Vite, il faut qu'on trace. Normalement, elle prend les construits, donc là, on a juste à construire une rampe. Allez, on va au Coliseum. On va au Coliseum, les gars. On doit braver la tempête, les gars. Et ensuite, elle devra braver le gladiateur. Ok, c'est parti. Allez, en avant. Suis-nous. Est-ce que tu prends les construits? Allez, prends les construits. Oh, mais non, mais elle s'enfonce dans le sable, la gredine. Allez, viens. Oh merde. Ok, c'est bon. Ok, elle trace. Parfait. Allez, on entre dans le Coliseum. On a une minute avant que la tempête revienne, ça va. On aura le temps. Normalement, on aura le temps de voir un bel affrontement. Allez, viens, ne t'arrête pas, sinon tu vas t'enfoncer dans le sable, ma grande. Allez. Ok, les amis. Normalement, le gladiateur devrait être juste devant. Ok, il est juste là-bas, les gars. Freefix, est-ce que tu vas aller le provoquer? Allez. Eh ben, va provoquer le gladiateur et on attend... Maev arrive. Ok, le gladiateur, il va être provoqué dans quelques instants, les amis. Ok, le gladiateur est pas content. Ok, maintenant, il faut qu'on emmène Maev dans l'arène. Allez, Maev, va te battre contre lui. Ok, elle commence à sortir son sniper. Oh là, elle a tiré au sniper. Ok, on s'écarte. Là, c'est entre eux deux. Ok, le gladiateur tire sur Maev, les gars. Le gladiateur, il tire sur Maev. Allez, Maev, mais défends-toi. Elle fuit. Mais elle veut fuir, en fait. Mais non, mais tu vas pas fuir. Ah, tu vas pas fuir. Reste là. Oh. Non, tu fuis pas. Allez, va te battre. Ok, attends. Et si on avance un peu de l'autre côté et qu'on l'emmène de l'autre côté, tu penses qu'elle nous suit? Allez, viens, Maev. Ok, Maev, allez, viens. Oh, elle a un pistolet. Elle a un pistolet, ouais, en cas de recours. Ok, allez, Maev, attaque le méchant. Ok, oh, c'est bon, okay, ils sont tous les deux dans l'arène. Oh là, elle s'est pris des sales balles du gladiateur, les gars. Allez, Maev, mais elle tire sur quoi? Elle tire sur les charrettes. Mais elle tire sur les charrettes, mais elle est complètement bête. Allez, mais tire-lui dessus. Allez, Maev. Je te donne un petit coup de pouce, Maev. Allez, vas-y. Allez, vas-y, tu peux lui tirer dessus maintenant. Allez, vas-y, ma grande. On t'a emmené jusque là, c'est pas pour que tu perdes. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais t'es complètement folle. Mais elle bouge au ralenti, regardez là. Pas que je mette un coup de. Mais il nous a. Mais ça ouf. Lui, ça ouf par contre. Oh. Allez, Maev, défends-nous. Si tu nous défends pas, il veut nous tuer. Ah oui. Oh. Allez, Maev, défonce-le. Allez, encore un corps. Non. T'as tué Maev. Je vais te faire du sale. Il a tué Maev, les gars. Non, Maev, elle a perdu contre le boss gladiateur, les amis. En tout cas, cet affrontement, il était quand même assez épique, hein. Ils se sont tirés dessus. Ça veut dire qu'on peut les faire s'affronter entre eux, les amis. Si vous voulez que je continue à faire s'affronter des boss, dites-le moi en commentaire. En attendant, je vous invite à mettre le code Gugu dans la boutique de Fortnite GUGU, un des codes les plus simples au monde. Je vous invite également à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à mettre la cloche et à me suivre sur les réseaux suivants, Instagram, Twitter et TikTok. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut.